Monaco célèbre sa fête nationale ce mardi 19 novembre. Comme tous les ans, la famille princière a pris la pose sur le balcon du palais. C'est une Caroline de Monaco aux petits soins pour ses petits-enfants qui est apparue entourée des enfants de la famille. Ces jours de fête sur le rocher. Ce mardi 19 novembre, la principauté célèbre sa fête nationale. Chaque année, la famille Grimaldi se réunit afin de lancer les festivités. Direction le balcon du palais où ils prennent la pause, ne manquant pas de saluer chaleureusement les monégasques. Si Albert II de Monaco, Sarlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella ne peuvent déroger à cette coutume, les autres membres de la famille semblent également s'y retrouver avec bonheur. C'est entourée de ses petits-enfants que Caroline de Monaco a souhaité apparaître. Une grand-mère comblée par l'amour de ses bouts de chou. La princesse a en effet fait le déplacement avec Francesco dans les bras. Le petit dernier de Pierre Casiraghi et Béatrice Borromeo, encore, fait sensation. La jolie primousse du bambin de 18 mois a en effet de quoi faire fondre le cœur de Monégasque. Et surtout de sa grand-mère, qui en a profité pour tenter de lui apprendre à saluer la foule. Caroline de Monaco, une grand-mère aux petits soins, point n'est pas question pour autant d'en oublier ses autres très chers têtes blondes. Les trois enfants d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo accompagnaient également la princesse Caroline. Si Maximilian était logé dans les bras de sa maman, Sacha et India étaient quant à eux au premier rang. De quoi permettre à leur grand-mère d'avoir un œil bienveillant sur eux. Ainsi, elle